chaos en Europe centrale au passage de la dépression Boris. Les cumuls de pluie, les inondations et les destructions que la dépression Boris a provoquées depuis ce vendredi battent déjà des records. Elle a déjà provoqué la mort d'au moins 7 personnes et l'évacuation de milliers d'habitants sinistrés en Pologne, en Roumanie et en Autriche. Boris a tout emporté sur son passage. Je ne possède plus rien. Ma maison est inhabitable. Je n'ai plus rien. Même situation catastrophique dans le sud-ouest de la Pologne, dans la ville historique de Glukolazie, les autorités ont ordonné une évacuation massive dans la nuit alors que l'eau avait submergé un barrage. Le Premier ministre Donald Tusk a annoncé que l'État ferait tout son possible pour aider les habitants. Nous pensons qu'il y aura davantage d'évacuations. Tenez bon, citoyens. En Autriche, la neige est tombée en masse sur les sommets. Aussi, les experts prévoient des précipitations continues jusqu'au lundi, au moins avec 150 à 200 litres de pluie par mètre carré, attendus dans la région montagneuse de Salzkammergut et la forêt viennoise. À Vienne, une alerte a été émise dans plusieurs quartiers de la capitale qui, pour certains, ont été partiellement évacués par précaution.